soyez tous bénis. Amen. Amen. Jésus a donné nous aller. Jésus a donné. Jésus a donné nous aller. Jésus a donné. Oh, Jésus a donné nous aller. Jésus a donné. Jésus a donné nous aller. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. C'est l'événement que tout le monde attend. Le retour de Jésus, que tu veux ou pas, reviendra un jour. Amen. C'est vrai que étant à table avec ses disciples, il y a un de vous qui va me livrer. Celui qui mettra la main en même temps que moi. Dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Cette parole s'est accomplie. Car c'est Judas qui avait mis la main. Même Judas qui a trahi Jésus. Jésus a donné. Jésus a donné. Jésus a donné. Tous les Judas au pas. Amen. Alléluia. Amen. Que tu veux ou pas, tu règnes Judas dans ta vie, c'est ça que nous avons dit seulement. Nous allons mettre tous les Judas au part dans le nom de Jésus. Amen. La gosia ziliwaru. La gosia ziliwaru. Mon la gosia ziliwaru. La gosia ziliwaru. Franchement, j'ai un livre. J'ai un livre, je suis le livre vocal. Vous jouez les, vous faites les cœurs. Amen. Et puis laissez-nous jouer la voix de Lydia. Amen. La dosia ziliwawo. La dosia ziliwawo. Mon la dosia ziliwawo. La dosia ziliwawo. Mon la dosia ziliwawo. La dosia ziliwawo. Mon la dosia ziliwawo. La dosia ziliwawo. Ziliwawo. La dosia ziliwawo. Dans ma langue maternelle, bété, je suis bété de Gagnois. Et puis ma mère, elle est malienne, elle est côté ivoirien, côté malien. Bété, la gorse en bété, ça veut dire Dieu. Dieu. La gorse, c'est Dieu chez nous. Ozi, ça dit le grand. Ozi. Ziriwa. Ziriwa, c'est les féticheurs, c'est les marabouts, c'est la sorcellerie. Voilà, les féticheurs, les marabouts. Jésus est plus fort, c'est-à-dire mon Dieu est plus Amen. Fort, Amen. Il est plus grand et puissant. Amen. C'est mon histoire qui est contée dans cette chanson. Parce que j'étais celui-là qui buvait aussi les Nasigi, qui est passé un peu par tous les grands buveurs de Nasigi et tout ça, qui pensait que tout cela pouvait apporter quelque chose à sa vie. Ben, non, c'est quand j'ai accepté Jésus. Amen. Jésus qui m'a délivré. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, je savais pas.
les marabouts. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Yeah. Ils m'ont dit que, yeah, ils m'ont dit que ça va aller haut. Ils m'ont dit que, yeah, que si Dieu le veut, ça va aller haut. Et moi, passé. Deux mois passés, je n'ai pas été guéri. Yeah. C'est quand j'ai accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a délivré. Et moi passé, yeah, deux mois passés, je n'ai pas été guéri. Yeah. C'est quand j'ai accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a délivré. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Mon lagos qui a zili va vous. Le lagos qui a zili va vous. Mon lagos qui a zili va vous. Lagos qui a zili va vous. Zili va vous. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Soyez tous bénis. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu vous fortifie. Amen. Nous sommes à un programme de délivrance, c'est une retraite spirituelle. Amen. Nous avons été inspirés par le Saint-Esprit pour organiser une rencontre, n'est-ce pas, au Maroc, afin de pouvoir aider tout le monde. Nous avons un centre de prière, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Divo, qui est à 2 heures d'Abidjan. 2 heures d'Abidjan. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de peuples, nous avons plus de 60 ethnies. Le peuple d'Ida, c'est un peuple où il y a toute la manifestation de la présence de la société. Tous ceux qui sont ivoiriens le savent très bien. C'est là-bas est sorti la plupart des faux prophètes comme Baillé, les Élégistes, c'est cette région-là. On a connu pas mal de trucs, des devins dans cette région. Et cette région, il y a une forte présence de la sorcellerie. Et c'est comme ça que Dieu nous a envoyé, n'est-ce pas, après les parcours au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait la plupart des villages et villes de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 3 ans que nous sommes installés à Divo. Sinon, le ministère a commencé depuis 2006. Depuis 2006 que notre ministère a démarré au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. Parce que notre ministère, c'est un peu ça, notre vision. C'est d'aller évangéliser. Notre mission consiste, n'est-ce pas, à quoi? Évangéliser. Le dévoilement et la destruction des œuvres du diable. Voilà, nous, c'est l'évangélisation. On vous parle de Jésus et Seigneur. Et s'il y a un truc, des bisons dévoilent. Et pour détruire la présence de Satan, pour avancer. Voilà, nous, c'est notre ministère, ça. Et depuis 2006, nous avons fait la grâce de prendre le ministère. Nous avons démarré dans la région de Guéillot. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Guéillot. Et après ça, Soubré, Grand Lahou, où il y avait une forte présence de la sorcellerie. Et c'est la presse. C'est pas nous, c'est la presse qui nous a suivis. Dans les enquêtes, la presse, on voit, m'appeler un matin pour dire on t'a vu à la une d'un journal, parce que je suis allé dans un village à Grand Lahou, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, où il y a aussi, c'est un peu de la lunaire. Pour accéder à des villages, il fallait traverser l'eau, il fallait faire 3 km, souvent 15 km sur l'eau. Pour aller vraiment délivrer les gens là-bas. Et il y avait aussi une forte raison dans un village où il y avait un restaurant, où les gens se ravitaillaient en chair humaine. Parce qu'on a envie de manger choubouya. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est des places pour aller à Poigoué, Poigoulet, les trucs comme ça. Or, quand ils veulent manger, en Côte d'Ivoire, ils vont à Grand Lahou, et ils sont un village qu'on appelle le Sunam, un village terrible en matière de sorcellerie. Ben, Dieu nous a utilisés puissamment. Nous sommes allés dans ce village-là, il y a eu le dévoilement.
Mais avant d'atteindre le village, c'était vraiment terrible. Il y avait une forte manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que quand j'en ai traversé avec le orbe, on appelle ça orbe, c'est la pirogue, il y a un moteur. Vous traversez, vous avez la pirogue. Vous traversez, allez jusqu'à dans le village. Arrivé dans le village, on a fait 3 km sur l'eau. Vous voyez la lagune, la lune, et puis les petits poissons passent à côté de vous. Vous êtes dans la pirogue, vous regardez, vous implorez le Seigneur seulement. Amen. Amen. Dès que nous sommes arrivés dans le village, toute l'équipe est descendue. Moi, j'étais en train de faire les prières et tout ça. Je n'ai plus vu le village. Le village était perdu. Comme je voyais le désert dans le village. C'était un désert. Mais j'attendais sûrement les cris. Notre ministère est le ministère le plus risqué. Vous savez, c'est pour ça que quand quelqu'un dit ah, le prophète Krasse, il est comme ça, mais ça n'engage que vous. C'est ce que les gens, ça n'engage que vous. Mon alliance avec Dieu, je le sais. Je sais d'où Dieu m'a élevé et d'où il m'a envoyé. C'est pour ça que quand quelqu'un va se mettre dans mon problème, tu vas le frapper. Quand quelqu'un va se mettre dans mon problème, Dieu va le matraquer. Amen. Parce que quand on va parler de quelqu'un, il faut connaître son histoire. Il faut savoir ce qu'il a fait. Nous avons vécu pas mal de difficultés. Je rentre dans le village est désert. Et vous le savez, pour nous en Côte d'Ivoire, la sorcellerie, nous le savons. Ce n'est pas une question de religion. En Côte d'Ivoire, nous sommes convaincus qu'il y a la sorcellerie. Oui, et surtout mon peuple, le peuple était. Tout le monde, non? Il n'y a pas une région de la Côte d'Ivoire où les gens nient l'existence de la sorcellerie. Non, il n'y a pas une région. En bas, même Crasso, les gens savaient, dans notre région, Gagnois, il y avait ce qu'on appelle le gopo. Vous savez qu'on s'en mettait, ils savent. Le gopo, c'est un arbre, les feuilles d'un arbre. Parce que chez nous, il y a des morts où le monsieur m'a débrouillé, fait des avis, dit ah, j'ai vu le monsieur qui m'a étranglé, si je vais, c'est lui. Donc, on appelle les gens. Et puis, on appelle ça preuve de vérité. On prend le gopo, on met dans les yeux. Quand les yeux te cassent, ben, ça te casse les yeux. Voici le sorcier. Donc, ce n'est pas une question du prophète Crasso. Dans notre région, il y avait ce le catholicisme. Vous savez, je reviens encore sur l'histoire de cela. Ce n'est pas le prophète Crasso qui a envoyé la croix au sorcier. C'est parce que ça a été laissé par les catholiques. Je l'ai dit ouvertement parce que l'histoire est là. L'histoire là, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les premiers à combattre les sorciers sont les catholiques. Qui ont combattu la chasse aux sorciers, c'est les catholiques. Qui ont commencé du 15, 16, 17e, ce sont les catholiques. Allez-y sur internet, vous allez voir les prêtres qui se sont engagés dans ce combat. Ils ont détruit à l'Occident, l'Europe, tout ça. Quand ils devaient conquérir l'Afrique, chez nous en Afrique, en Christ, en Côte d'Ivoire, c'est les missionnaires qui sont venus savoir. En Côte d'Ivoire, les missionnaires qui étaient là pour, n'est-ce pas, censés former nos gens. C'est les missionnaires catholiques qui apportaient l'éducation au pays de Côte d'Ivoire. Mais en voie de venir en Afrique, il y avait ce qu'on appelle le calvaire. Les gens prenaient une croix, crucifix là, que les gens plantaient dans les régions. Et le calvaire consistait à combattre la sorcellerie. Il y a d'autres régions, ça y est, le calvaire. Donc, le calvaire l'a attrapé. Je suis en train de faire une enquête. Ce n'est pas une question de Crasso. Crasso, c'est récent. Or, le calvaire existait. La chasse aux sorciers existait. Voilà. Donc, le calvaire existe chez nous. Les catholiques ont envoyé, c'est l'Église qui a envoyé ça. Pourquoi? Parce qu'à l'Église que nous sommes, Christ, nous avons le pouvoir sur les œuvres du diable. Amen. Amen. Sur les œuvres du diable. Et le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie, c'est pas autre chose. Nous, en Côte d'Ivoire, nous croyons fermement ça. Nous croyons trop à ça. C'est pour ça que depuis un moment, j'ai maintenant des plateformes de télé. Dieu merci. Nous sommes venus consommer la télévision ivoirienne. Nous parlons que ça. On est capable de se dire, moi, je ne parle que ça. Je ne suis pas comme quelqu'un qui, lui, il donne mariage, il donne quoi encore, l'argent. Lui, il est là pour donner l'argent aux gens, lui, il est là pour faire tout. C'est comme à Paris, à Babès, ou le marabout, il donne tout aux gens. Il donne mariage aux gens, il est dans une maison sale, il donne tout aux gens. Nous, notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous ne parlons que cela. Et j'ai dit aux gens, vous ne savez pas que le sujet de la sorcellerie, tout se retrouve dedans. Tout ce qu'on appelle blocage, c'est les sorciers qui bloquent la vie des gens, c'est les sorciers qui bloquent le mariage des gens, c'est les sorciers qui font ça. Or, Jésus-Christ, c'est vrai qu'il n'a pas dit une sorcellerie, mais il a dit le diable. Il a dit, le diable dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc c'est une continuité du ministère du Christ. Amen. C'est une continuité du ministère du Christ. Les gens disent, ah, mais oui, mais pourquoi toi c'est sorcellerie? Je dis, mais est-ce que ça n'existe pas? Oui, mais le mais est où? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? En quoi ça vous dérange si le prophète Crasso, lui, il attaque la sorcellerie? À quoi ça vous dérange? Et c'est pour ça qu'il faut chercher à connaître l'histoire du prophète.
Il est rentré dedans comment? Sur le boulot, demande au pasteur. J'ai invité des pasteurs la semaine passée parce que je devais préparer Maroc. Au départ, ils ont dit, oh, à venir. Quand ils appellent, ils me posent la question, prophète, dans vos centres, là, mais les sorciers sont là, non? Ils disent, c'est toi qui as l'onction là. Hein. Nous, on préfère prêcher en gré. Que ce soit en gré, à la Ribera. Amen. Vous comprenez? Les gens ont peur. Ça les fait peur, le sujet. Ils ont tellement peur du sujet qu'ils ont donné raison à Satan. C'est-à-dire, pendant qu'ils ont peur, Satan lui prend du terrain. Lui, il mange. Il fait des sauces. Pas là, il mange pas là. Il mange sauce à cuit. Il mange tiglitti, il mange. La sauce tiglitti. Vous connaissez la sauce ferme, c'est une sauce ferme tiglitti. Amen. Vous voyez, Satan, les sorciers, ils mangent. On les souvient qu'on les appelle mangeurs d'âmes. Pendant que vous avez peur, eux ils sont là. Ils gagnent le terrain, ils s'installent. Ils détruisent nos bras valises et tout ça. Vous savez, quand les sorciers ne sont pas inquiétés dans un endroit, ils s'installent. Hein? Ils s'installent. Amen. Amen. C'est pour ça que par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec notre tournée en pas de voix, nous avons, n'est-ce pas, fait reculer au maximum le diable. Oui, dans beaucoup de régions. J'ai revenu sur Esuna. Je rentre à Esuna. Or, Esuna, c'était la plus grande base. Au niveau des Grands Laos, donc Grands Laos, c'est une zone côtière et là-bas, il y a du pétrole. Ils ont découvert des grands gisements de pétrole bleu et dans un village, un sorcier s'est levé un matin et il a bu le pétrole. C'est vous qui jouez la sorcellerie. Le sujet là, c'est vous qui jouez la sorcellerie. Oui, il a fait disparaître, il a mis dans son sale ventre et l'a signé. Il est là, il regarde tout le monde. Les gens viennent, ils regardent, ils ont fait la prospection, oui, une fois, deux fois, peut-être. Bon, on doit dédommager et créer notre village parce que le site est important, il y a du pétrole, Ok. Mais tant que les gens tentent de faire des démarches, tout ça, lui, il a pris le pétrole, il l'a mis dans son ventre. C'est cela que les sorciers sont anti-développement. Amen. Amen. Les blancs, voyez, là, si un blanc vous dit que la sorcellerie n'existe pas, dites, monsieur, peut-être que vous êtes vous-même sorcier. Parce que ce n'a pas un c'est pas un débat où tu ne connais pas, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Hein? Donc ferme ta bouche et puis permets à ceux qui connaissent de t'expliquer. Non, c'est comme ça. Dans la vie, quand tu ne connais pas, tu te tais. On t'explique. Mais quand tu dis non et non, tu es sorcier. C'est ce qu'il dit aux gens. Mais en quoi? Donne-nous la possibilité de t'expliquer. Tu n'as jamais vu Paris. Tu n'as pas dit non comme j'ai jamais vu Paris, que Paris n'existe pas. Comme tu n'as jamais vu Nialé Griveaux. Il y a les cribots, il y a les sorciers. Quel y a les cribots n'existe pas? Diglo, Zonouin, tout le plus ment. Puis il y a les mangeurs d'âmes. Que ça n'existe pas? Quand tu parles d'un sujet, quand tu ne connais pas, c'est vrai. Il peut arriver quand tu ne maîtrises pas le sujet. Ok? Mais d'emblée, ne dis pas que ça n'existe pas. Et puis il y a une prise de position. Alors quand il y a une prise de position, ça veut dire toi-même qui es dans la chose. Donc tu ne veux pas qu'on touche à la chose. Voilà, tu ne veux pas qu'on touche à la chose. Or, c'est ce qu'il dit aux gens. Quand on donne un nom, c'est que ça existe. Ils ne sont pas bêtes, quoi, pour donner un nom à un truc, un marché qui n'existe pas, mais ils ne sont pas bêtes. Ils disent, mais vous les blancs, vous ne savez pas que c'est vous qui avez donné le sorcier. C'est pas embêté. Nous, on appelle ça gougnon. Gougnon. Vous savez, sorcier, l'homme qui fait la sorcellerie. C'est dans ma langue. Sorcier, c'est en français. Or, sorcier veut dire celui qui lance un sort. La magie, l'astrologie. Ceux qui font des pratiques comme ça pour attaquer les gens, c'est la société. C'est vous qui avez donné le nom. Vous avez ça où? J'ai dit aux gens, mais quand vous dites maladie mystique, c'est pas embêté. Mystique, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne voit pas. C'est une maladie où la science ne peut rien comprendre, mais c'est mystique. On ne peut pas détecter ça. Mais vous pensez que les mots, là, c'est comme ça, c'est tombé du ciel? C'est parce que vous avez vu que ça, c'est. Vous avez donné un nom. Donc, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, fermez vos bouches. Ceux qui maîtrisent la chose vont vous expliquer. Amen. Amen. Vont vous expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans l'explication de la chose parce que c'est là. Nous sommes de la communication. Pour vous dire aujourd'hui, le sujet le plus terrible, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose. Donc, j'arrive sur le village, je rentre dans le village, je vois le village a disparu. Il fallait vraiment faire quelque chose dans le village. Moi-même, je me sentais déjà en danger. Vous savez? Nous sommes là, hein? Nous sommes. Vous voyez, souvent les gens vont le ministère facile. Le prophète va venir, il va attraper tous nos sorciers.
il va les frapper. Bah, ils ont vu sur le YouTube. Là, il voit le film. Et c'est qu'il va faire ça maintenant. Il va me dire, c'est ma maman. Il va matraquer ma maman depuis le Cameroun. Elle va tomber. Il voit ça facile. Oh, c'est difficile. Amen. Amen. C'est pas facile. C'est une œuvre spirituelle. Si elle délivrait Zali en Côte d'Ivoire et que je suis allé chez Zali, que sa maman est tombée, là, des suzantes du Cameroun. C'est pas la même stratégie. Donc, permettez-moi de vous aider à fond. C'est un ministère qui est spirituel, c'est une œuvre spirituelle. Ayez beaucoup de patience pour qu'on puisse vraiment vous aider. Amen. C'est pour ça que celui qui ne se sent pas dans ce ministère, que ce ministère lui dérange, c'est qu'il est aussi. Moi-même, j'aime les ennemis. J'aime ça. J'aime ça. Parce que le royaume de Dieu, il n'y a pas assez de monde dedans. Hein? Amen. 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 Non, c'est pas tout le monde qui font partie dans. C'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Là, non, ça veut dire que la plupart sont les enfants du diable. Donc c'est normal que les enfants du diable, ça les dérange quand je dérange dans le royaume. C'est ce qu'il dit aux gens. Je ne veux pas que le monde entier soit dans mon système. Non. Amen. C'est pas tout le monde qui est sauvé, c'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, les enfants du diable, ils seront dérangés quand je vais parler de ça. Je suis content d'attaquer le diable. Je lui dis, Mathieu, je suis tellement content parce que tu as mangé mon papa. Vous l'avez mangé? Vous avez mangé mon papa? Tu as mangé mon grand frère, tu as mangé ma soeur. Tu voulais me manger à Apprécie, tu m'as brisé. Apprécie, il y a un bruit. C'est ce qu'on appelle Apprécie. D'abord, président, on appelle ça comme un banane planté là. Bouillie. Elle est indolée, elle est indolée. C'est nous, on appelle ça Apprécie. En Côte d'Ivoire. J'étais prêt à me manger et puis Jésus-Christ m'a délivré. Amen. 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 Il m'a délivré. Frère, je suis trop révolté contre la société. Amen. Je suis trop révolté et ça m'a donné raison. Chaque fois et qu'on combat, ça me donne toujours raison. Ça me donne toujours raison. Vous êtes là parce que vous avez un problème de société. Vous êtes à Paris là-bas. Entendez les grands portables. Mais les sorciers ont fini ça. Amen. Amen. Ça vous intéresse? Parce que c'est le sujet le plus important. C'est ce qu'il dit au pasteur. Ah non, toi-même, toi, ta spécialité. Je dis, vous ne savez pas que vos fidèles, que vous avez dans vos églises, là, leur problème, c'est la sorcellerie. C'est ce que vous ne savez pas? Leur problème, c'est la sorcellerie. Ils n'ont pas eu le mariage. Non, lui, il prie pour que Dieu lui donne. Quand il prie, les gens au mariage. Je dis, mais quel est sorcier? Celui qui bloque le mariage, tu as prié contre ça? Il est là. Non, lui, quand il prie, les gens ont l'argent. Il dit, ah, vous jouez, et les sorciers? Or, quand vous avez maîtrisé le domaine de la sorcellerie, c'est fini. Le sorcier oublie de lâcher la personne. Le sorcier oublie de lâcher son mariage. Il oublie de lâcher sa destinée. Amen. Donc, voici cette fonction-là qui est placée sur nos ministères. Donc, je rentre dans le village, je ne vois plus le village. C'est un test. Pourquoi? Parce que nous devons à Jésus intégrer. Je ne suis pas rentré dans le ministère. Hier, je causais avec des enfants spirituels à Gaza. Les gens me posaient des questions sur mon ministère. Je leur ai dit, c'est le ministère le plus délicat. Je ne suis pas rentré comme ça dans le ministère. Amen. Parce que je voulais regarder sorcier. Non. C'est parce que Jésus-Christ s'est révélé à moi. Amen. Voilà. J'ai dit Jésus. Seigneur dit aux gens, ah les pasteurs, je suis l'homme le plus attaqué d'ailleurs. On m'attaque. Je suis content. On m'attaque. Parce que j'en fais ça à Jésus. Moi, je viens de voir que quand on m'attaque, je suis plus content. Parce que je dérange. Je dérange, c'est pour ça qu'on doit m'attaquer. Parce que j'ai attaqué Jésus. Moi, je suis dans une vision. Et vous pouvez jamais m'enlever ça dans la tête. Je dors de quelqu'un, un village. Un sorcier en train de massacrer un village. Je suis obligé de partir. Amen. Amen. Je suis obligé de partir faire l'opération. Donc, moi, Jésus-Christ, il y a un deal. Amen. Jésus s'est révélé à moi. Je reviens sur le village. Vous dites à Jésus, quand j'ai eu ce problème-là, j'ai parlé à Jésus. C'est pas moi, hein. C'est toi qui m'as dit de venir là. Ah oui? Sorcier, vous voyez là, c'est pas amusement. Hein. C'est pas amusement. J'ai vu toutes sortes de sorcelleries. Toutes sortes de sorcelleries qui ont testé mon ministère.
Donc Dieu a mis à terre. Amen. Il y a des gens même qui sont que Dieu t'a oublié de les tuer. Parce qu'ils ont joué mon ministère. Donc je n'étais pas chrétien. Écoutez très bien mon histoire. Le christianisme, ça ne m'intéressait pas. Venir à l'église, ça ne m'intéressait pas. Venir à l'église. J'étais malade. D'abord mon père. Mon père avait fait une plantation. Je lui ai fait mon histoire. Au village, et c'est comme ça les sorciers ont descendu, ils n'ont plus feu de brousse. C'est ensemble, la plantation 100 hectares, en quelques heures, ensemble. Mon père s'est rendu au village, il a bu Nassidi, il a récité ce qu'il devait réciter comme truc, il a attaché son truc, bien enflé. Il allait sur le territoire pour menacer les sorciers. Les sorciers étaient en bas. En bas, dès qu'il est sorti du village à terre, ils l'ont mis dans un ravin pour l'avertissement. Il est venu jouer sur notre territoire, nous menacer, bras cassés. Et celui qui nous a dit, qui a commencé à nous parler de la sorcellerie. Moi, je suis dans le village aujourd'hui parce que Dieu me veut dans le village. Sinon, moi, quand je vois le village, je vois la sorcellerie. Et mon père, en 93, je perds mon père. Il parlait de sorcellerie, mon père parlait de sorcellerie. Il nous envoyait des marabouts. Moi, j'ai vécu tout le temps dans le maraboutage, le fétichisme. Il n'est bien qu'il soit musulman, mon père était musulman. Mais il était ancré dans le maraboutage, le fétichisme. Pourquoi la seule chose, c'est de nous protéger. Je vois, ça nous énervait de voir certains nous réveiller dans la maison. Et puis on voit un gars bizarre qui est là, qui lui fait nous faire boire des choses. Il regarde comme ça. Mon père, là, il est chaud. Il dit, bébé, tu le regardes, tu es fâché. Puis tu vois, c'est ça, c'est moi. Puis tu vois, là, le gars, il récite les versets. Sa bouche est bizarre. Puis tu es là, tu es énervé. Quand tu le regardes. Et puis ce qu'il vient de faire là, tu n'as pas envie de. Mais le vieux est là, il te regarde. Tu t'es amusé. Il va te frapper. Viens te frapper. Tu oublies de te frapper. Puis tu es au vieux, je vais aller. Quand tu dis je vais aller pisser, il dit quoi? Ah, d'aller où ta bouche. Tu oublies d'avaler. T'es fâché. Il va faire bibi. Tu l'insultes dans la douche. Parce que tu viens de boire là. C'est pas privable. On te demande, est-ce que le vieux là-même là? Bon, est-ce qu'il a pensé un instant le danger qu'il attend de courant en nous faisant boire ça? Oh, lui, il va vous sensibiliser. Vous dites, non, c'est pour vous protéger, l'instruction pour manger. Ils l'ont mangé en 93. Mm-hmm. Tu vois ses reins, il a fini ça. On est gourdin. Tout ce qui est dans ses reins, là. Kaya, quand il marche, bah lui, il est beaucoup, beaucoup. Donc quand tu le touches comme ça, là, tu sais que le gars est chargé. Anti-sorcier. Dans les reins. Sorcier, il a dit ok. Il allait prendre sa douche un matin. Il a levé Gourdin. Elle a déposé ça, j'ai dit quoi? Ils l'ont fait tomber, boire, dans la douche. Il a commencé à crier, on m'étrangle. On s'est tous rendus dans la douche, parce que papa, on l'a soulevé. Nous, on ne comprenait rien dedans. Quand vous n'avez jamais été victime de la sorcellerie, ça vous dit rien. Oh, le vieux, le papa, il est en train de souffrir. Le gars, il lutte à la mort, il lutte. On le voyait lutter. Et lui, on le soulève, on le regarde. On ne pouvait rien contre ces gars. Dans la loi, on appelle ça violation à domicile, non? Ils sont invisibles. Lutter, le vieux. À quel moment, on a senti que. Oh, ça dit, ils ont gagné. Moi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que quand les gens parlent, j'ai dit, quand vous parlez, là, souvent, j'ai dit aux gens, quand vous parlez de Krasoula, cherchez à connaître mon histoire. J'ai mon père, j'ai ça encore dans ma tête, comme c'était hier, j'ai ça encore dans ma tête. Je suis, c'est marqué à vie. Oh mon père, moi j'ai perdu ma mère très tôt. Donc c'est mon père qui était chargé de mon éducation. Je voyais en lui un modèle, quelqu'un qui était en train de me former, et puis paf, je venais de perdre mon papa. Vous comprenez? Le monsieur est mort. Il est mort. On tourne, difficilement on pouvait accepter ça. Moi, on a tourné, j'ai dit non. Moi,
je ne crois pas qu'il va mourir. Non. On a mouillé ensemble. Non. Il est parti. Ok. C'est mon frère qui a dit, ben, on va regarder autour de son cou. On regarde effectivement comme des lèvres bleues, aux sponsons pour les bleus. Ils ont commencé à pleurer, tout ça. Moi, c'était pas là maintenant. On nous appelle le service de pompe funèbre. Mais tout ça, ça m'énervait, mais qui veut appeler? Je suis énervé. Oh, nos gars, c'est déjà prêt. Là, il a, là, pour l'amener au cimetière. Là, il a, là. On va pas dire quelqu'un est mort. Où ça vous intéresse, vous me dans quoi l'acte? Viens visiter. Et je te dis, là, tu as la porte. Ok. Mes parents disent, prenez le corps. Laissez appeler les cigales. Amener le corps à mort. Donc, j'ai subi du mortier dans le corps. J'arrive à la mort, il dit non, mon papa ne peut pas rester, c'est pas possible. Eh, j'ai été choqué. J'ai été choqué dans ma vie. Je regarde. Le mortier le regarde, le regarde. Puis j'ai posé la question. Tu vas m'informer à mon père? Il dit, mais ton père est où? J'ai dit non. Donc, il en a tourné dans cette discussion, il tentait de remplir des papiers, et puis il est revenu sur le corps. Donc on est revenu, on a vu, mon père est en train de saigner le nez. Il regarde, moi-même j'ai vu ça, les bleus dans son cou. Bien, bien. Il dit, mais comment il est mort? Ils l'ont étranglé. C'est là que j'ai fondu un âme. C'est là là même que j'ai compris que mon père est mort. Parce que le monsieur qui n'était pas chez nous, à la maison, vient nous poser la question, est-ce qu'on avait étranglé? On dit non, il dit si, il m'a étranglé. Il est mort d'étouffement, il m'a étranglé. Le mardi, c'est là que j'ai cru qu'on... à la sorcellerie. C'est là, moi, je crie à la sorcellerie. Et le gars a fait son travail. Il dit, sortez, il est mort. J'ai commencé à crier, qu'il ne veut pas bouger, il sort. Ce n'est plus ton enfant, ton papa est mort, c'est fini, dégage. C'est là, moi, j'ai commencé à respecter la mort. Frère, rien de vous, la vie. La vie, là, elle est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse qu'il ne faut pas venir jouer à nous. C'est ce qu'il dit au sachet, ne jouez pas, non. Vous avez envie de manger, ok. Allez acheter les viandes au marché. Laissez-nous tranquilles. Or, les sorciers en dehors des familles détruisent des vies, Et nos juridictions ne prennent pas les crimes, la criminalité spirituelle en compte. Parce que pour eux, ben, il faut démontrer. Il y a des choses qui ne sont pas démontrables. Même les scientifiques. Demandez eux les scientifiques. C'est eux qui croient que l'esprit existe. Vous allez demander aux scientifiques, ils vont vous dire que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Ils savent. Tu vas demander à un scientifique, montre-moi l'esprit. Il ne va jamais te montrer. Il ne va pas te prouver. Montre-moi âme, il ne va jamais te démontrer ça. Pourtant, ils croient que l'être humain existe et l'être humain est composé de l'âme, l'esprit et le corps. Il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer. Par contre, le monde, ce qu'on appelle le monde spirituel, existe. Et c'est comme ça, 6 mois après mon frère est mort, ma soeur est morte, moi j'ai été attaqué par les sorciers terriblement. Et c'est comme ça Jésus-Christ m'a délivré.